Nicole Martin, présidente du School International Côte d'Azur. Et nous sommes présents sur le salon Food Hotel Tech pour la troisième année. Et nous sommes très heureux de participer à ce salon, d'abord parce que c'est notre adhérente Karen Serfati qui l'organise de main de maître. Et également, donc, depuis 3 ans, on voit l'évolution de ce salon. Ça nous permet de rencontrer nos adhérents, mais également d'autres acteurs du tourisme qui viennent en visiteurs pour découvrir toutes les innovations qui peuvent s'offrir à eux dans leur vie de tous les jours. Je suis Christine Ouarot et je suis la directrice commerciale grand compte de la société Minibar Enterprising AG. Dans la gamme des minibars, nous partons du minibar manuel jusqu'au minibar tout automatique qui permet donc à l'hôtelier effectivement d'avoir le chiffre d'affaires de son minibar qui va passer directement sur le PMS de sa réception et qui concerne particulièrement des établissements qui sont des gros établissements, c'est-à-dire à partir de 100, 250 chambres. Et Minibar System est aussi fabricant donc de coffres-forts et propose aussi dans sa gamme, en supplément, tout ce qui est en rapport avec l'hospitality tray, le plateau de courtoisie, la bouilloire, les tasses qui vont bien et ainsi que les machines à café. Cette société, en fait, est très implantée dans le milieu de l'hôtellerie. Je suis heureuse d'être présente ici, sur le stand du SCOL, une association qui est extrêmement présente aussi dans le monde de l'hôtellerie, très active, bien sûr. Je m'appelle Bertrand Petit, je suis Managing Partner de Vitruvius Partners Group. J'ai créé cette compagnie il y a environ 1 an avec mon collègue Lignan Bougie et nous avons mis en place cette structure à Paris et à Monaco dans le but de travailler avec principalement des compagnies de croisière à l'international sur des problématiques liées aux ressources humaines et à ce qu'on appelle Hotel Operations. La professionnalisation des services dans le domaine de la croisière est quelque chose qui peut être facilement transféré dans le domaine hôtelier et d'appliquer les systèmes, les méthodes tellement prouvées dans le domaine de la croisière pour réinventer l'hôtellerie de demain. Et on va rechercher un hôtelier, si possible dans le domaine de luxe, qui voudrait bien, en quelque sorte, nous servir de cobaye, de travailler avec nous sur justement la transfert d'expertise depuis la croisière vers l'hôtellerie pour voir comment éventuellement ce transfert d'expertise peut l'aider à réinventer son système, son modèle économique et son système hôtelier. Vous pouvez nous contacter sur notre site, on va sans doute mettre un lien. Évidemment, Vitruvius Partners Group fait partie de SCOL Côte d'Azur. J'ai moi-même rejoint SCOL Côte d'Azur il y a maintenant 6 mois, sous la houlette de Nicole Martin, avec un dynamisme extraordinaire. Donc je vous invite aussi à regarder le site de SCOL Côte d'Azur. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Je suis Céline Refalo, je travaille à l'hôtel-restaurant Château Le Cagnard à Cagnes-sur-Mer. C'est un hôtel 4 étoiles qui est situé dans le bourg médiéval avec 28 chambres et un restaurant bistronomique. Cet établissement fait partie de l'histoire du village puisque la réception est l'ancienne salle des gardes du Château Grimaldi. Donc on est dans une architecture des 13e et 14e siècles au cœur de la vie de village et en même temps à 2 pas de l'aéroport Nice Côte d'Azur. Donc c'est un hôtel qui peut aussi bien s'adresser à la clientèle touristique qu'à faire, mais aussi à tous les locaux qui recherchent un restaurant délicieux avec une vue panoramique sur toute la Côte d'Azur. J'ai décidé d'adhérer au SCOL Côte d'Azur pour développer mon réseau professionnel de façon amicale, fun, et de rencontrer tous les professionnels de la région et de pouvoir tous échanger ensemble dans une belle ambiance. Et on se retrouve aujourd'hui donc au salon Food Hotel Tech, voilà, tous ensemble. Je suis Nathalie Zafra, je représente la société CSP France. Nous sommes interlocuteurs uniques pour l'ensemble des besoins hôteliers et restauration. On propose des solutions de bout en bout qui vont du domaine informatique avec la gestion de tout ce qui est réseau, télécommunications, vidéosurveillance. On propose également le domaine web marketing avec la création de sites internet sur mesure et personnalisés, ainsi que la gestion de réseaux sociaux, du référencement naturel et commercial, ainsi que de la création de contenu rédactionnel et vidéo, photo. Le SCOL Côte d'Azur est pour moi une belle opportunité de faire des affaires entre amis. Il me permet de rencontrer des professionnels acteurs du tourisme et du voyage qui ont des besoins qui répondent en fait à nos spécificités.
Donc Geoffrey Dierre, directeur général du Casino Barrière de Menton. Aujourd'hui, le casino, c'est un pôle de multi-activités. Hein. Vous y retrouvez des machines à sous, des jeux de table. On a un peu plus de 200 machines sur place. On a une discothèque. On a un espace aussi qui peut être privatisé pour des événements privés. On a deux salles de séminaire. On organise des repas spectacles. Un restaurant traditionnel qui propose toutes les spécialités méditerranéennes avec un chef italien. Donc on a un mélange parfait. Un petit peu de la cuisine du soleil et puis un café des sports où on y retransmet tous les événements sportifs, les matchs de foot, tous les grands événements. On a un espace de jeu en ligne aussi où on peut parier sur des événements et un petit pôle rétro gaming, donc on peut passer un très bon moment dans différentes ambiances de l'établissement. On prépare une belle saison avec dès le mois de décembre une saison artistique qui va commencer avec des concerts des solistes de Monte Carlo. On a pas mal de très très beaux événements, du théâtre, des showcases, vraiment de quoi s'éclater et de quoi passer un très très bon moment au casino. Le Skol, c'était une belle rencontre avec Nicole qui m'avait proposé d'intégrer le Skol, qui était déjà en place avec mon prédécesseur. Et puis on a organisé un bel événement sur la terrasse du casino l'été 2020 avec un super coucher de soleil, avec tous les membres du Skol Côte d'Azur. On s'est retrouvé à plus de 100 personnes à profiter voilà, du cadre idyllique puisqu'on est vraiment les pieds dans l'eau au casino de Menton. Donc super endroit, super moment, des super personnes qui intègrent ce groupe. Donc top. Merci le Skol.